Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Galen pour les Jeux du Cygne. On se retrouve sur une nouvelle partie sur Rogue X, puisque la précédente a crashé. C'est un bug récurrent sur le jeu encore, je rappelle qu'il est en développement. Donc, qu'il n'est pas exempt de bug, et typiquement, le problème des sauvegardes qui plantent est un bug connu, que pour l'instant, le dev n'a pas réussi à résoudre. Donc, j'en étais fort chagriné, mais c'est ainsi. Donc, j'ai quand même décidé de repartir sur un deuxième let's play. J'avais fait que deux âges. J'avais pas atteint l'objectif que je voulais atteindre. Donc, j'ai décidé de repartir sur un autre. Revenu de... Ah, on roll ça. Drafter une carte, ça me semble nettement mieux pour commencer. Directement en scout. Excellente chose. Hop, Barbara m'a accueilli. Et elle va m'accueillir comme il se doit. Du coup, je vais commencer par un scout. Ça me semble tout à fait intéressant. Mon guerrier va aller là. Et le scout va aller choper la relique, qui n'est pas la meilleure au monde, parce que pour ça, il faut avoir des merveilles, ce qui n'est pas encore le cas. En plus, j'aime bien parce que il y a des petits trucs rigolos dans les entourages de cette ville. Il y a un mannequin qui donne un revenu de plan en plus. Et puis, il y a une épave qui donne de la science en plus. C'est des petits trucs assez originaux, je trouve. Je vais m'étendre. Alors, j'ai 4 de bouffe, donc je vais tout de suite aller chercher. Hop, et... Hop, la science en plus. Et puis, le reste, je vais le consommer. Miam, miam. Et du coup, par contre, je ne peux rien faire d'autre. Hop. Alors, carrière éventuellement pour le sel. J'ai pas d'enclos. J'ai ni animal, ni... Enfin, ni mouton, pardon, ni cheval. Donc c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que je vais choper là? Des fois que... Pas terrible ça. Quelque chose à me proposer là? N'habiter plus. Boxer, pardon. Qui me permet de faire un level up. Je vais activer mon labeur. Tiens, est-ce que je peux améliorer Boxer? J'ai jamais testé ça. Ah ouais, plus 160. D'accord. Bon, c'est pas le plus important. Je vais préférer booster ma science. Pour commencer. Hop. Pirc. Je vais plutôt sur mon guerrier. Plus un diamant lorsque cette unité tue un adversaire. Très bien. Et du coup, j'ai pas choisi ce que je prenais, je vais plutôt prendre l'exploitation minière avec la carrière que je n'utiliserai pas maintenant. Voilà. Là, on est toujours au bord de la mer. Les collines, c'est bien. Hop, un petit bonus, mais ça reste go back. Il y a plein de trucs qui sont partiellement traduits seulement. J'ai que 2 de bouffe, donc il faut que je les consomme. Un petit level up ici, plus un de science par bois. Dans les limites urbaines, je pourrais en avoir un peu.
Plus 3 de stockage de nourriture pour un paysan. Pourquoi pas un paysan? Ça me permettrait de montrer cette mécanique. Donc le paysan bah, va collecter. Il faut l'emmener sur une. Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va me donner? Je ne sais pas. Bon, on va tester. On a eu 7 de l'or. Je préfère aller chercher de la bouffe. Mais il me faut. D'accord. Il me faut un point de main-d'œuvre. Je peux pas m'en servir du coup. Alors. La pyramide. Piocher une carte supplémentaire chaque tour. La cloche de cuivre qui est une. Ça, c'est pas les. Ça, c'est une relique. Les trucs qui sont en haut. Là, c'est une merveille. Sachant que j'ai un buff sur les merveilles. Et... une pyramide. Je ne peux pas le faire pour l'instant. Alors le seul truc c'est que mes revenus sont quand même assez pauvres. Donc pour l'instant je suis un peu limité. Je peux même pas faire le pionnier. Ah peut-être que si. Si je fais ça, je vais avoir 4 de bouffe. Non, j'aurai pas assez de main d'œuvre. Collecter. Je vais manger le fourrage et je vais du coup étendre ma ville pour faire plus de science. Hop. C'est toujours pas terrible. Je vais le faire passer niveau 2. Hein. Lui aussi. Plus d'un diamant dans les villages, c'est plutôt sympathique. Là, t'es un peu bloqué. Ah. Donc ça, techniquement, il vaut mieux que je le laisse à mon scout. Mais je suis pas sûr que je vais lui faire faire Golak. Que je vais lui faire faire tout le trajet de retour. Hop. Et du coup, bah, j'ai pas utilisé mon or. Dommage. Là, c'est un éclaireur qu'il va falloir empêcher de faire quoi que ce soit. Je vais améliorer mon labeur. Là, je l'aurai dans 4 tours, lui. Hop. Alors, je peux... Ici, le terrain lui donne de la défense en plus. Donc ce que je peux faire, c'est aller là pour améliorer mon attaque et diminuer sa défense. Diminuer son attaque puisque je me retrouve en élévation. Petits trucs qui sont toujours pratiques. Ah, là c'est coincé. 4 points, bah, je vais chercher ceci qui va me donner un point de plan en plus. Des points de plan, j'en ai deux. Donc je vais retourner. Je vais retourner là, puisque j'ai vu qu'il venait de par là, donc je vais essayer de le chasser. Est-ce que je vais améliorer? Ben, je vais de nouveau améliorer le labeur. Et ça me donne un diamant en plus. Là, je vais me contenter d'aller explorer. Hein. Je vais pas. C'est pas très grave. Ça, c'est vraiment trop long avec la chaîne de montagne. Donc, je vais essayer de passer par là. Ouais. Laisse tomber. T'as vraiment la chaîne qui bloque tout. Ça va d'ailleurs sans doute m'enquiquiner. Alors, je vais faire pop mon pionnier. Ça va me bouffer mon diamant, mais c'est pas très grave. Je vais aller m'installer. C'est sympathique. Mais bon, ça manque un peu d'autre chose par ici.
Le départ est plutôt sympa, mais ouais, mais j'ai quand même. Ne serait-ce que pour le thé, Oui. je vais y aller. Il me reste encore deux de plans. Yeah. Ergo, hop. Ouais, c'est pas ouf comme zone. Sinon, je me mets là. Ça me fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, six cases éventuellement. C'est un peu cher. On peut me contenter de faire ça. À la limite, je ferai une autre ville après. Et j'ai plus d'or et j'ai plus rien. Donc, tour suivant. Alors, je retrouve mes pyramides. Plus de science avec spéculer qui me permettent de dépenser de la foi pour faire Yeah. de l'art, faire de la science. C'est de la foi pour faire de la science. Je vais y arriver. Allez, toi tu t'installes ici. Et je vais recruter un autre guerrier. Oui, plus de béton, moins de nature. Ouais, je pourrais la vue. La vue, pas la vie. Hop, plus de science. Donc ça, je vais prendre. Et une percée, je prends. Calendrier de pierre, plus 10 lorsque je mélange mon deck. Pistage, je vais pas le prendre. Écrire est plutôt sympa pour booster sa science aussi. Ça fait plus de deux bases. Ça, c'est bien, mais. Moi, ouais, je préférais faire ça. Écrire, c'est une bonne carte. Ça me fait 6 de science à chaque fois que je le joue. Ouais. Sauf que ça. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je vais le jouer, c'est à chaque fois que j'aurai remélangé ma quai. Ouais, non, je vais prendre ça. En fait, c'est mieux. Est-ce que ça mène à autre chose, surtout? Écriture, ouais, c'est ça. Non, calendrier, c'est le. Je prends le calendrier, pire. Plus 10 de science à chaque fois que je remélange. Je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Donc, je vais faire ça. Est-ce que je vais aller chercher le cheval? Ça me coûterait combien? Il y a quelques trucs qui permettent d'interagir avec les montagnes. Yeah. Ouais. Il y a un vilain archer. Ah. Tac. Là. Oh. Un vilain guerrier. Alors lui, je vais peut-être l'amener par là-bas. Pour aller aider le copain. Plus 3 de bouffe. J'ai pas grand-chose à en faire. Ah oui, c'est plus 3 que j'ai récupéré ici. Ici, je vais pas me développer outre mesure. À la limite, je referai une autre ville par là. Parce que là, c'est plus intéressant, pareil. Ouais. Très clairement. Donc je vais les consommer ici. Hop. Ah, il peut tirer dessus depuis ici. Mince. Améliorer et observer les étoiles. Élever la piscine. Percer. Ah, rééquiper plus. Je veux. Je veux. Bim. Yo. Je pensais pas qu'il pouvait m'atteindre l'autre archer là. Saleté. Ouais.
Il y a du monde et là il y a un scout qui va pop. Je vais peut-être devoir le ramener vite. Maïs doux, plus 2 de nourriture. Matos, donc ça c'est ce que m'a donné le paysan. Alors, que vais-je faire de mes points? Ou alors sinon... Oui, si, sinon je fais pop. Mon autre guerrier ici. Observons les étoiles. Stockage de foie, l'armée de terre cuite. C'est une autre merveille. Plus de diamants échangés, ce qui me permettrait de changer mon schéma, par exemple. Ah, guérir, qui est très bien, quand même. Stockage de foie. Oh, j'aime bien la carte guérir. Est-ce que c'est une carte qui est persistante? Donc, par exemple, hop, lui, je peux m'aider un petit peu. Donc là, je vais rester par ici parce que je sais que l'éclaireur, logiquement, va arriver tôt ou tard pour aller voir ce qui se passe par chez moi. Et il me reste 3 de nourriture. Hop. Non, c'était pas élargir que je voulais faire, c'était consommer. Hop. Et puis, bah, une autre fois, je lui ferai récolter du sel. Alors, où est-ce qu'il est parti? Il est pas parti. Enfin, il est dû... Je sais pas où il est allé. Alors, bah toi, tu vas prendre le coup dans la tronche. Toi, tu vas là. Et ensuite, bah, on attaque. Hein. Ça va être d'abord toi. Ah, toi, tu caches. Il est en train de me prendre plus de dégâts. Je vais pas cracher dessus. Pour absorber les coups, c'est pas mal aussi. Allez. Alors là, le festin commence à être intéressant parce qu'il va profiter aux deux. Est-ce que... Non, je peux toujours pas. Il me manque... Un, deux... Ah, et j'arrive à l'air classique. Je vais recruter un hôpital. Donc là, je vais collecter du sel. Non, je voudrais voir ce que rapporte le renard. Mais pas de tout le type. Il va pouvoir m'attaquer. Plus un citoyen dans chaque ville. C'est pas ouf. En fait, les citoyens n'apportent pas grand-chose. Ça fait partie des... Presque un peu défaut du... Il y a une mise à jour qui a été faite il y a de ça un mois, peut-être. Avant, chaque citoyen donnait un point de main-d'œuvre. Ce qui rendait les choses parfois un tout petit peu fumé. Pourquoi j'ai 3 points maintenant, tiens, d'ailleurs. Ah, c'est peut-être le fait d'être... Ah oui, c'est d'être le fait d'être passé à l'ère classique. C'est pile ici. Et un autre équipé plus, parfait. Toi, tu vas aller dire ce que tu penses à l'archer. Un petit level up, soigne 2 par tour, j'aime beaucoup. D'autant plus que maintenant, bah, tu vas être un hoplite, mais un homme d'armes. Je vais le soigner. De toute façon,
J'ai rien à faire de ma foi ici. Alors, j'ai mes trois. Oula, je vais même pouvoir piocher une carte en plus. Mais je vais pouvoir tout jouer. Je vais gâcher parce que ça fait trois cartes non évoluées, mais ça me permet d'aller chercher cette case. Ah, ça c'est quoi? C'est plus de production, je veux. C'est nettement mieux d'être allé chercher sphère que le cheval. Et là j'ai du fer, très bien. Yeah. Alors, toi, bah, tu vas aller prendre ça, hop, et tu te barres. Recruter un scout, est-ce que je veux un deuxième scout? Scout toujours. Petit conditionnement. Histoire que toi t'ailles plus vite. Tiens. Hop. Et puis ben, je vais me barrer. Ouais. Hop. Tu me tireras pas dessus. Oh. Tiens, lui, je peux l'améliorer. Je vais le faire. Hop, ça fera un hoplite. Ça servait peut-être à rien ce que j'ai fait comme déplacement. Oups. Il me reste un plan. Est-ce que j'ai déplacé tout le monde? Lui, non. Mais je ne peux pas. Là, je vais me toucher pour aller chercher le bois qui est ici. Et les barbares avancent eux aussi à l'air classique. Je pourrais améliorer les pyramides pour qu'elles ne me coûtent rien. Mais maintenant que je peux les construire... Non. Par contre, je vais enlever des cartes de mon deck. Typiquement, je vais enlever une carte de schéma. Elles sont quand même vraiment pas super intéressantes en général. Ah, c'est intéressant ce qu'il y a par là. Dépenser 2 diamants pour faire un autre pionnier. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non, j'ai pas de bouffon plus. Je vais dépenser 2 diamants pour faire un pionnier. Et je vais aller m'installer par là-bas, ça m'a l'air pas mal. Là, j'ai du sel, j'ai du bronze, j'ai 2 poissons, j'ai du bronze, enfin du cuivre, pardon. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Allez, zo. Yeah. Yeah. Spéculons un peu. Alors, là, il va falloir que j'aille chercher. Ah non, il faut que j'aille chercher le scout. Histoire qu'il n'aille pas prévenir ses potes. Et level up. Vu qu'il est tout seul, je serais peut-être content de lui mettre de l'armure. Ah. Oui, ça c'était quand j'ai détruit son camp. Barbara n'était pas contente. Je fais avec toi. J'ai une possibilité, éventuellement, ça pourrait être de remonter mon hoplite par là et d'aller l'aider au moins contre l'archer. Zéro plan, donc si je vais là, il pourra me tirer dessus. Ouais. Bon, je vais faire ça. Bon, typiquement pour ça, c'est très bien. Fin de tour.
Alors, donc là, on est sur l'ère classique maintenant. Alors, stockage de d'or. Ça, c'est qui me permet de récupérer de l'or contre 3 de main d'œuvre. C'est pas terrible. Les pièces, c'est une carte qui est plutôt sympa. Le grand phare, plus un de revenus d'or et les navires que je n'ai pas. Puis ça mène à quoi? Ça mène au charpentier marine qui donne plus un de deux main d'œuvre et la trirème. Unité navale à distance. C'est gentil, mais globalement, quand même, le système naval n'a que peu d'intérêt dans ce jeu. Par contre, j'aime bien. Je pense que je vais partir sur la monnaie. Bien, tous les stockages. Ouais. Revenus, je génère déjà pas mal. Je vais partir sur la monnaie. Ça, c'est une chouette carte qui permet de faire cycler le. Cycler sa main. Plus de plans par citadin. Développer une ville jusqu'au niveau 3. J'ai Paris à relier à York. Donc, ça, je prends. Se passe quand je fais évoluer, si je fais évoluer la carrière. Qu'est-ce que ça donnera? Ça fait qu'elle ne me coûte plus rien. Qu'est-ce qu'il me propose? De revenus de fou. Donc, là, pour me déplacer. Ou un minerai en carte puissance. C'est plutôt. Ça peut être sympa éventuellement. Ou sinon, je me lave une carte. Vais m'enlever le. La carte de fourrage. Allez. Et il me reste donc ça je vais le faire. Alors ça peut me donner du fer de façon régulière. Et ça c'est de la bouffe. Du fer c'est bien d'en avoir quand même régulièrement. Allez, tout. Et je vais. Bah, j'ai 2 dessous, donc je peux dépenser les deux. Utiliser mes 2 cartes. Qu'est-ce que je fais de mes 2 de bouffe? Ben, je vais pouvoir améliorer. York. Un hoplite. Améliorer 2 cartes. Oh, je vais avoir 3 villes. Allez, zou. Oh. On ne s'est pas déplacé encore. Toi, tac. 1 et 2. Toutes les cartes merveilles sont améliorées. Ça, c'est cool. C'est très cool. Conjointement avec ça, c'est une excellente chose. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Pas grand-chose. Oui. Toi, tu vas aller clairement t'installer par ici. Là, c'est me semble être une excellente zone. Là, non, plutôt ici. Ça fait un cran plus au nord et ça me fait plein de trucs qui sont à une case. Toi, on a dit que tu vas. Alors, l'archer étant ici. Je vais éviter de me frotter à lui à ce tour-ci. Là, je vais aller récupérer ça. Améliorer une carte. Hop, nickel.
Je vais améliorer mon petit spéculé. Le guérir. Allez, le guérir. Et puis, bah, tu vas revenir par là. Et j'ai utilisé tous mes plans. Et voilà ma mine qui arrive. Alors, ouais, c'est ça, la fourrure, ça me donnait de l'or. Le coup, le temps, bah, j'ai découvert les jardins suspendus. Puisqu'ils seront améliorés. Ça me fait un citadin russe. Pareil, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas grave. Je vais me faire un run avec plein de merveilles. Toi, tu t'es amélioré. À chaque fois que tu collectes, tu donnes plus un d'or. Ah, au pavé. Ça, c'est chouette. Ça permet de relier les villes entre elles. Ça, c'est vraiment chouette. Ah, m'intéresse. Alors, pour l'instant, je vais garder mes points de plan. Alors, pyramide. Pyramide. Piocher une carte de plus par tour. Un bel biome. Ah merde. Il me faut du désert. Hein? Merde, zut. Je vais d'abord faire. On a dit que je m'installais là. Hop. S'installer. Terrible ça. Je vais me proposer d'autres. Il faudra que je les améliore, hein, tous ces gens. Je vais améliorer d'abord lui qui a sentinelle. Bon. Là, je suis en bord de map. Enfin, en bord d'île de toute façon. Alors, bah, jardin suspendu du coup. Je vais installer. Hop, plus un citoyen dans chaque ville. Ah oui, plus 5 de science aussi, c'est non négligeable. Ensuite, donc j'ai 3 d'or, je vais pouvoir m'en servir pour ça, plus un de fer. Eh bien, je peux améliorer lui du coup. Il me reste un d'or et c'est tout. Est-ce que j'ai besoin de guérir quelqu'un? Je suis max en vie, alors oui, est-ce que je vais avoir. Tac. Alors, logiquement, là, si j'amène lui ici en plus. Voilà, là, ça me fait le bonus de contournement qui me permet de le tuer. Nickel. Ensuite, bah, je vais essayer de m'attaquer à ce campement. Je vais pas utiliser un diamant pour ça. Un point de main d'œuvre. Citoyen, 6 festin. J'ai un diamant pour ça. Clairement. Il me reste un bouffe. Donc, toi, tu vas t'agrandir. Qu'est-ce que je vais prendre en premier? Ça, ça porte de la. Ah non, c'est la production. Ça, c'est la croissance. La production là. Hop, c'est ce qui rapporte le plus. Et il me reste 2 points de plan. Yeah. Oh.
Tu vas faire ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour paver? Ah, ça me coûte du bois. Itch. Et moi, je peux pas le faire là, à cause de des arbres. Sans doute. Je sais pas. Je ne sais pas. Intraversable. Ah oui, là on peut pas y aller carrément. Je ne sais pas. Là, je prends un petit screen. Et je vais reporter ça. Construire une route sur une case. Y a rien d'indiqué. Je vais attendre le prochain tour. Peut-être qu'il me faut de la main-d'œuvre. Ça m'intéresse pas. Je vais m'enlever. J'ai pas beaucoup de gains de nourriture. Je vais éviter de trop m'enlever. En plus, ça m'intéresse vraiment pas. Par contre, je vais le garder. Hop. Je peux me faire un hoplite encore. Je verrai où est-ce que j'utiliserai mes plans. Ouch! Alors ça, c'est pas cool du tout là. C'est moche, hein, mais. C'est moche. Je reconnais que c'est très moche. J'assume. Alors ici, est-ce que je lui fais prendre les coups? Est-ce qu'il s'en remettra? J'ai. Ah ouais, mais là j'ai de la défense contre les sentinelles, donc on va le tenter. Bim, qu'est-ce que tu prends? 4. Et t'inflige 2. Yo. Allez, on va te mettre le copain à côté. Les dégâts. Je vais faire pop un hoplite de plus quand même. Lui, je vais le laisser là. Je vais faire remonter du monde là. Alors, trois de bouffe, on va les utiliser là. Un peu de développement en plus. Ah zut, et alors lui. Du coup, je m'en suis pas occupé et j'ai plus de. Moi, j'ai peur que ce soit buggé. Hein. Si je me mets là. Sinon, au pire, si je peux pas traverser les bois, ce serait pas intuitif, hein, mais. Je peux passer par ailleurs. Ça, je vais le garder. J'ai du stockage. Hop. Colline porteuse. Plus un revenu de production. Alors, est-ce que j'ai des la production? Est-ce que j'ai des collines? Oui, j'en ai deux. Deux de revenus de production, c'est pas ouf. Un autre paysan? Pourquoi pas? Un archer, bien mieux. Yo.
Un archer. Alors, est-ce que... Non, là, c'est moi qui meurs. Et là, c'est lui qui meurt. Petit level up. Des diamants. Ah, ça c'est pas mal, comme j'avais 3 unités. Hop, des diamants ici, des diamants là. Je vais mettre conditionnement à celui-ci aussi, parce que comme celui-ci a 3 déplacements, ça permet qu'il se suive. Hop. Je vais améliorer ça quand même, parce que je manque un peu de nourriture. Aqueduc, plus 2 de croissance, ça c'est pas terrible comme carte. Plus 2 de fer, les légionnaires... Une unité plutôt tanky. Elle a de l'armure de base. Elle inflige moins de dégâts, mais. Ou la fosse minière qui est l'amélioration de la mine. Ou. Donc je suis pas fan. Climatique, ça amène vers ingénierie. Ah, avec les catapultes. Ah! Allez. Donc le compte, hein, à chaque fois que j'arrive à la jouer 3 fois, eh bien je gagne directement une connaissance. Mais ça coûte un peu cher quand même. Ouais, bon, allez, on va la jouer. On va la jouer. Là, je vais pas dépenser un diamant pour ça. Là, Ok, ça c'est fait, toi, je peux toujours... Ah, il faut que je pense à le faire en début de tour. Comme j'ai encore des points de main d'œuvre. Je suis sûr que c'est ça le problème. Là, je peux paver, mais j'ai déjà de la route. Pour cette case, je comprends pas tout. Pour faire un autre report. Enfin, pour faire un report là-dessus. Et il me reste 3 de nourriture, donc je vais encore développer Maizata. Aller chercher du cuir en plus. Et fin de tour. Bien, tour 15, je pense que je vais arrêter cet épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé et à soutenir la chaîne. Comme vous le pouvez. Je vous fais bien des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.